to your favorite modern world. Bonjour tout le monde! Alors, j'ignore qui m'a tuyauté sur le groupe québécois Universe Effect. Mais qui qu'il soit, je l'en remercie. Je suivais sans le savoir le quintet de cousins depuis quelque temps déjà sur Bandcamp, quand leur nouvel album, The Distance, est sorti sans prévenir. J'y ai jeté une oreille, intrigué, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que leur musique m'a clairement tapé dans l'oreille. Universe Effect existe depuis 2015, mais n'a composé que 3 albums en comptant le dernier. The Distance, ce sont 4 morceaux pour moins d'une demi-heure de métal progressif. Une musique qui emprunte aux cinématiques symphoniques, au djent comme au jazz. Le timbre de Gabriel-Antoine Vallée, le chanteur du groupe, est reconnaissable entre tous. Il surprend tout d'abord, d'autant que le chant est très présent sur l'album. Et puis, il finit par prendre aux tripes. Les claviers de Francis Grégoire sont omniprésents et souvent virtuoses comme dans le premier titre, Layers. Mais les guitares aux solis lumineux de Gabriel Cyr ne sont pas en reste, loin de là. Quant à la section rythmique tenue par Alexandre Hudon et Dominique Tapin-Brousseau, elle est la colonne vertébrale de ses compositions protéiformes, s'offrant régulièrement quelques mesures de bravoure. La pochette de The Distance s'apparente à de l'art graphique, une photographie hyper contrastée de drones pris à la verticale d'un bord de mer où le blanc de l'écume tranche avec le roux des rochers séparé par une bande de sable noir. Une thématique déjà exploitée pour leur single Layers, sorti au mois de février. Ce titre qui débute l'album donne dans le djent électro-cinématique à la manière de Tesseract. Il fait également songer à un Dream Theater avec ses claviers virtuoses. Waves débute de manière nettement plus apaisée entre piano et guitare jazzy et explose après 3 minutes pour retomber dans la fusion 120 secondes plus tard, un peu dans le style de Singing Am. Flow est dans la pure veine d'un métal progressif technique et virtuose qui trouve tout de même le temps de se poser sur quelques couplets plus calmes. Il s'offre également une courte section instrumentale construite sur plusieurs solides guitares, claviers et de basses. Release, le long format de 9 minutes qui conclut trop vite cet album, joue avec la forme symphonique. On n'est encore pas loin d'un Dream Theater avec son emphase, mais dans un traitement nettement plus subtil. Universe Effect est ma première découverte de l'année. Plus je l'écoute, plus je lui découvre de nouvelles qualités. Je vous le recommande donc, et de mon côté, je vais explorer leurs 2 autres albums de ce pas. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Vous pouvez cliquer sur le pouce si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous !